après toi. Si toi, tu ne rentres pas dans le Rehoboth, ce sont tes enfants qui vont rentrer dans le Rehoboth si tu fais une alliance avec Dieu. Oui. Il y en a qui nous appellent. Prophétesse, j'avais fait un songe, on voulait m'attaquer et tu es venu me sauver. Ou encore le pasteur est venu. Le temps a changé, mais laissez-moi te dire, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changeait pas, sa parole ne changeait pas, sa parole ne faillit jamais. Parce que l'homme qui est parti avec la femme a laissé sa semence. Et quand il prend ta femme, il prend ta vigueur au travers de ta femme, voyez ça? Donc le diable va passer par là pour t'enlever ta vigueur. Et il y avait même un moment, si on veut faire tomber un homme politique, on ne va pas aller chez lui, on va seulement chez la femme. Shalom, shalom, shalom. Shalom, famille TPS, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse ce midi. Alors, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Partageons la vidéo, invitons des amis à se connecter. Amen. Et nous allons commencer notre prière de ce jour. Gloire à Dieu, nous sommes à l'heure du jugement. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire bonjour au Saint-Esprit et shalom à la personne qui est connectée à côté de votre nom? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, partageons, partageons, partageons. Permettons aux autres de se joindre à nous. Voilà, je vais partager aussi. Excusez-moi. Voilà. Partageons. Notre Dieu est fidèle. Voilà, nous partageons la vidéo. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Nous sommes déjà en live. Ok. Shalom à tous, shalom à tous. Shalom à tous, j'espère que tout va bien. Gloire à Dieu. J'espère que tout va bien et que ça se passe bien pour vous. Voilà. Ok. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, est-ce que quelqu'un a une question à poser? J'ai l'impression que quelqu'un a une question à poser. Si vous avez une question à poser, posez la question maintenant. Posez la question maintenant, comme ça je vais vous répondre. Je vous réponds maintenant et nous commençons notre prière directement. Une préoccupation, une question par rapport aux jeunes. Voilà. Je regarde. Shalom à tous. Voilà, encore 30 secondes et je commence ma prière. Une question. Comme je suis un peu décalée de vous, donc je suis obligée d'attendre un tout petit peu. Shalom à tous. Entre temps, est-ce qu'on peut aimer la vidéo? Augmentons les j'aime de la vidéo pour permettre aux autres de recevoir la notification. Voilà. J'attends. Ok. Shalom. Donc, s'il n'y a pas de questions, je commence. Ah, on n'entend pas trop le son? Ah, d'accord, merci. Ok.
j'ai augmenté le son. Donc je disais, est-ce que quelqu'un a une question à poser? Une préoccupation, une question par rapport aux jeunes, par rapport... J'attends... Voilà, augmentons les likes. Nous sommes à 84. Ça serait bien qu'on arrive à 100. Dès qu'on on atteint 100, 100 j'aime, je commence. Voilà, ok. La question de Sophie. Maman, si on boit le jus, c'est mauvais. Le jus, à quel moment? Le jus, tu le bois après le jeûne, mais pas pendant le jeûne. Tu vois, pendant le jeûne, tu bois de l'eau. Pendant que je jeûne, donc de minuit à 18h, je prends de l'eau. Après 18h, je peux prendre du jus. Si je prends du jus, le jus a du sucre, ça va donner, ça va te faire plaisir, ça va te... Non, on ne prend pas le jus pendant le jeûne. Voilà. C'est après le jeûne. Ok. Donc, évitez le jus. Évitez le jus. En fait, quand on jeûne, bon, il y a des personnes qui prennent, exemple, quand on fait le jeûne à l'eau, c'est-à-dire je peux prendre de l'eau, il y en a qui rajoutent du thé, il y en a qui rajoutent du jus. Bon, je n'ai jamais trop vu, mais peut-être qu'il y en a qui rajoutent du jus. Mais imaginez-vous, le jus est sucré. Donc, le jus, quand il est sucré, ça te fait plaisir, en fait, quand tu le bois. Ça te casse ton jeûne. Si tu prends du thé, le thé, tu mets du sucre dedans. Ce sucre-là, en fait, te donne un certain plaisir. Or, le jeûne consiste à mortifier la chair. C'est vraiment mortifier la chair, ne pas faire plaisir à la chair. Donc, ça ne passe pas. Après 18h, là, je peux prendre mon thé, je peux prendre mon jus, oui, bien sûr. Prenez du pur jus, bien sûr. Ne prenez pas du jus gazeux. Après le jeûne, prenez du pur jus. Évitez tout ce qui est gazeux. Alors, une question ici. Maman, quand vous allez nous montrer comment faire le bain de purification? Oui, ça va arriver. Je vous avais promis ça. Donc là, la semaine prochaine, je vais tout faire pour vous donner ça. Comme ça, ça sera fait. Merci beaucoup d'avoir appelé. Prophétesse, je voulais savoir, est-ce qu'on a le droit de manger la viande de porc? Non, ce n'est pas une interdiction, mais je ne le conseille pas. Ce n'est pas interdit. Mais je ne le conseille pas. Ce n'est pas conseillé. Mais il n'y a pas d'interdiction particulière. Tu peux manger la viande du porc. Mais, exemple, nous, dans notre manière de jeûner, on ne préfère pas. Quand on fait le jeûne, on préfère se débarrasser du porc. Parce que le porc a beaucoup de gras, hein, quand même. Un, il a beaucoup de gras. Deux, même quand je vous prêchais sur le prophétique, beaucoup de prophètes ne conseillent pas. Surtout quand tu jeûnes. Mais il n'y a pas d'interdit pour ça, hein, bien sûr. Tu peux manger, puisqu'on ne mange pas la viande rouge, pourquoi aller manger la viande du porc? Déjà, on mange plus la viande blanche, donc le poulet. Tu peux manger le poulet, tu peux manger le poisson, mais pas le... Non, je ne te conseille pas. Si tu vas avoir des révélations, des visions, si tu veux... En tout cas, je ne te conseille pas. Mais ce n'est pas un interdit, non, un interdit, non, non, pas du tout. Il n'y a pas de loi qui est dessus. Donc, c'est à toi de voir. Maman, moi je jeûne de minuit à midi pour la santé. Très bien. Au moins tu jeûnes quand même. Gloire à Dieu. Ok, nous sommes à 110 likes. Donc maintenant, nous allons prier et je vais rentrer dans notre session rapidement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alors, prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons encore. Nous te louons. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes encore d'être dans ta présence, Seigneur. Nous te prions de prendre le contrôle de ce temps de prière par le Saint-Esprit et que tout soit pour ta seule gloire. Seigneur, prends toute la place, prends toute la place, prends toute la place et règne au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans l'heure du jugement. Deux dernières questions. Shalom, maman prophétesse, si je fais les prières mais je mange par rapport à mon travail, c'est péché? Non, c'est pas péché. C'est pas grave. Par rapport à ton travail, tu dois manger parce que tu n'as pas la force. Il n'y a pas de problème. Mais de temps en temps, tu peux aussi faire l'exception. Mais ce n'est pas un problème. Tant que tu pries, c'est le plus important. Maman, j'ai besoin de l'adresse de la campagne du 10. L'adresse est là. L'adresse est là. La semaine prochaine, là, qui va commencer. On a un férié, hein, pasteur, c'est ça? On a un férié. Je vais vous parler de la sorcellerie. Comment reconnaître un sorcier et de la sorcellerie dans l'église. Donc, je vous ai déjà donné
le thème. L'adresse est ici, c'est dans l'affiche, sur l'affiche là. L'Oasis de Noisy, salle ciel, la zone d'activité de la Madeleine, 93 130 Noisy-le-Sec. Voilà. Oh là là, les questions commencent à venir maintenant. J'ai une forte grippe, comment faire? Si tu as une forte grippe, tu prends tes médicaments, bien sûr. Tu peux prendre du thé. Tu prends du thé chaud, quelque chose de chaud, voilà. Si vraiment ça ne va pas, mange des fruits, quelque chose pour te fortifier. Sinon, tu fais comme ça. Si vraiment ça ne va pas, ça ne va pas, écoute, mange léger quand même. Voilà, l'adresse est là. Est-ce que quelqu'un peut noter? Je vous le dis. L'Oasis de Noisy, salle ciel. Écoutez, je vais l'écrire ici. Je vais l'écrire pour vous. Ah, quelqu'un a posé. Prophétesse, si je mange à 17h avant la prière, c'est mauvais. Moi, la prière commence à 20h. À 20h passées, parce qu'on a décalage de 2h. Donc, je peux manger après 20h. Ah, oh, c'est pas grave. Adapte-toi à tes heures. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Pauline. Ok. Je vous écris juste l'adresse. Pasteur, s'il te plaît. Pasteur, oula. Je vous écris l'adresse. C'est qui? Mais, oh là là, c'est pas vrai. Excusez-moi. C'est qui? Passez mon G. L'Oasis de Noisy. Je vous écris l'adresse. L'Oasis de Noisy, salle ciel. Zone d'activité de la Madeleine. Je n'ai pas de modératrice là. 93 130 Noisy-le-Sec. Vraiment, permettez que j'écrive ça pour eux. Voilà. Je vous mets ça ici. Hop. Je l'épingle. Ça, c'est l'adresse du 10, notez. L'Oasis de Noisy, salle ciel, zone d'activité de la Madeleine, 93 130 Noisy-le-Sec. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Et vraiment, là, je ne donne plus de réponse aux questions. Je rentre dans ma prière. Gloire à Dieu. Ok. Alors, notre thème, notre sous-thème, je reprends le sous-thème de la dernière fois. J'emmène mes ennemis à la cour céleste. J'emmène mes ennemis à la cour céleste. J'emmène mes ennemis à la cour céleste. Gloire à Dieu. J'emmène mes ennemis à la cour céleste. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'emmène mes ennemis à la cour céleste. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Voilà. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Dans le psaume 43 au verset 1. Psaume 43 au verset 1. Est-ce qu'on peut l'écrire? Psaume 43 au verset 1, je lis la parole de Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Rends-moi justice, ô Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude. Et au verset 2, il dit, « Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher
dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Bien-aimé, quand le diable ramène l'oppression, quand l'ennemi ramène l'oppression, alors on marche dans la tristesse. Une personne qui est oppressée est une personne qui va être triste. Une personne qui est oppressée est une personne qui risque de marcher tête courbée. Et David, étant sous l'oppression, a demandé à Dieu de nous rendre justice. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause. Défends ma cause. Et je prie que durant ce Rehoboth, l'Éternel puisse défendre ta cause au nom de Jésus. Pendant ce Rehoboth, l'Éternel va défendre ta cause. Alléluia. L'Éternel va défendre ta cause. La Bible déclare que une malédiction sans cause est nulle et sans effet. L'Éternel va défendre ta cause. C'est pour cela, ayez toujours l'habitude d'aller présenter vos ennemis devant Dieu, de les emmener à la cour céleste, de les emmener, de les faire comparaître. Oui, de les faire comparaître devant Dieu. Quand tu sais que tu n'as rien fait, quand tu sais qu'il y a une injustice qui est là, quand tu sais qu'on est en train de s'acharner contre toi, emmène-les, fais-les comparaître à la cour céleste. Fais-les comparaître à la cour céleste. Et il faut savoir aussi, bien aimé, la cour de justice, quand tu vas devant la justice de Dieu, alors toi-même aussi, tu dois être clean. Quand tu vas devant la justice de Dieu, toi-même aussi, tu vas être clean. Tu dois être clean. Je vous donne un exemple simple. Tu veux que quelqu'un te doive de l'argent. Quelqu'un te doit de l'argent et tu veux que la personne puisse te rembourser ton argent. Ça fait longtemps que cette personne te doit de l'argent et tu es fatigué, tu veux que cette personne, excusez-moi, tu veux que cette personne te rembourse ton dû. Alors tu commences à prier à Dieu. Seigneur, tu vas aller à la cour justice, à la cour de justice céleste. Tu veux emmener cette personne à la cour céleste. Tu veux présenter ça à Dieu. Mais assure-toi que toi aussi, tu ne dois rien à quelqu'un. Assure-toi que toi, de ton côté, tu ne dois rien à quelqu'un, que tu n'as pas non plus la dette de quelqu'un que tu ne rembourses pas. Donc, avant d'emmener quelqu'un à la cour céleste à cause d'une dette, toi-même règle tes dettes. Règle ta dette. Parce que s'il y a quelqu'un qui pleure sur toi, et toi tu pleures sur l'autre, et toi tu présentes devant Dieu, Dieu est un Dieu de justice. Devant la justice de Dieu, son sceptre est un sceptre équitable. Et Dieu va te dire, mais toi tu viens parce que l'autre te doit, mais toi-même il y a l'autre aussi qui pleure vers moi. N'oubliez pas que Dieu écoute les prières, et que s'il y a quelqu'un qui pleure sur toi, et toi tu viens présenter une autre personne, toi tu pleures sur quelqu'un et que tu viens présenter à Dieu, Dieu va retourner au début, on retourne au départ. Toi, tu fais pleurer qui? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela que la cour de justice est une cour très subtile. Subtile. Apprenez toujours à regarder. Regardez bien, sondez bien. Alléluia. Sondez bien. Quand si tu te sens maltraité, les gens te maltraitent. Mais toi-même, tu as maltraité beaucoup de gens. Demande pardon d'abord. Demande pardon à Dieu pour tous les gens que tu as maltraités dans ta vie. Pour tous les gens que tu as maltraités, tu as fait souffrir. Mais aujourd'hui, toi, tu souffres. Faut d'abord faire réparation. Seigneur, je te demande pardon pour les gens que j'ai maltraités dans ma vie. Seigneur, je ne savais pas. C'était l'ignorance. Pardonne-moi pour tout le mal que j'ai fait aux gens. Mais Seigneur, regarde ma situation aujourd'hui. Vous voyez, tu demandes d'abord pardon. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice. Toi qui te plains devant Dieu, pour dire, oh Dieu, mon mari me maltraite, mon mari est méchant. Regarde dans ta vie. Peut-être que dans ta vie, je ne sais même pas pourquoi je vous dis tout ça. Peut-être que dans ta vie, tu étais avec quelqu'un. Il y a eu un homme qui est passé dans ta vie. Cet homme, tu l'avais trop maltraité. Tu as maltraité cet homme. Maintenant que tu as trouvé l'homme que tu aimes, lui aussi te maltraite. Donc, il faut demander pardon pour ce que tu as fait avant. Parce que ça peut être les conséquences de ce que tu as semé. Est-ce que vous voyez ça? Les conséquences de ce que tu as semé. Un dernier exemple, nous allons prier. Un dernier exemple. Tu es marié. Bon, je parle plus du côté des femmes. C'est valable pour les hommes aussi. Hein, c'est juste que c'est l'exemple qui me vient. Tu es marié, ton mari a déjà un enfant. Tu as beaucoup maltraité cet enfant-là. Tu ne l'as jamais aimé. Tu as maltraité le fils de ton mari. Tu l'as maltraité. Et maintenant, aujourd'hui, toi, tu es grand-mère. Ton petit-fils se fait maltraiter aussi par la femme de son père. Et tu commences à prier. Et ce petit-fils-là vit avec eux. Donc, ça te fait mal que... Déjà, parce que c'est le père qui a la garde de l'enfant.
ta fille n'a pas eu la garde et tu pleures à Dieu, Seigneur, vois comment on est en train de maltraiter cet enfant, vois comment on est en train de maltraiter. Seigneur, fais justice. Dieu va retourner au début. Dieu va retourner en arrière en ce qui te concerne. Comment toi aussi, tu avais maltraité l'enfant, l'enfant de ton mari. Donc, il faut que tu demandes pardon. Seigneur, pardonne-moi d'avoir maltraité cet enfant. Je reconnais que je ne l'aimais pas. Seigneur, pardonne-moi, c'était l'ignorance. Je te demande, pardonne-moi tout le mal que j'ai fait à cet enfant. Seigneur, aie pitié de mon enfant. Il faut d'abord régler. Les prières de justice, ce n'est pas de la blague. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. C'est pour cela, dans la parabole, vous savez, Jésus avait donné une parabole où il y avait un homme qui avait une dette de quelqu'un et cette personne a demandé pardon, son créancier lui a dit, bon, maintenant, je te laisse partir, c'est pas grave. Mais lui, quand il a rencontré un autre qui avait sa dette, il l'a mis en prison. Et quand le créancier a su, il a dit, toi, je t'ai pardonné et toi, tu mets l'autre en prison. À partir d'aujourd'hui, tu me rends tout mon argent. Est-ce que vous voyez ça? La justice de Dieu est une justice. Il faut faire attention. C'est une véritable justice. Faites très attention. Quand tu présentes à la cour céleste quelque chose, sois sûr que tu as bien réglé ça. Alléluia, que tu as bien réglé ça. Quand c'est de l'argent, quand c'est un problème, voilà, tu es maltraité, tu es rejeté, assure-toi que toi-même, tu n'as jamais rejeté les gens. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on demande pardon toujours avant de prier, avant de continuer dans la prière, on demande pardon. C'est là tout le, toute l'importance de la repentance. Il y en a peut-être qui peuvent se poser la question, mais prophétesse, tout le temps demande pardon le sang de Jésus. C'est pour ça. Parce qu'on ne sait jamais ce que tu as fait. Quelqu'un pose la question. Maman, pour les mariés, est-ce qu'on coupe le jeûne? On peut avoir des rapports. Mais je l'avais dit. J'avais dit, ce n'est pas interdit. Si vous entendez bien. Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas mieux. Bon, maintenant, si tu te retrouves avec un homme qui ne prie pas, ton mari est païen. Tu fais quoi? Tu ne vas pas le priver? La Bible dit, il ne faut pas se priver l'un de l'autre. L'un de l'autre. Ne vous privez pas l'un de l'autre. L'apôtre Paul le dit. Sauf pour vaquer à la prière. Donc, vous devez être d'accord. Donc, quand il s'agit de... Si vous entendez, voilà, tu ne vas pas non plus faire souffrir quelqu'un pendant 70 jours. Vous voyez? Mais, faites comprendre à la personne que vous avez besoin de prier. Voilà. Vous avez besoin de prier. Parce que, vous savez, même ces trucs-là, je vous expliquerai ce qui se passe. Quand tu rentres trop dedans, ça enlève un peu les capacités spirituelles. Hein. Ça enlève beaucoup de choses. Il faut juste voir. Vous vous entendez, vous pouvez aller, mais à un moment donné, il faut dire quand même que voilà, je suis quand même dans la prière. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ce n'est pas le sujet. Mais sinon, la Bible interdit de se priver. Il faut le faire d'un commun accord. Donc, quand tu jeûnes, il faut que ton conjoint, voilà, que vous soyez d'accord. Ah, tu es en train de jeûner. Il te laisse. Voilà, mais si il peut pas, c'est pas grave, allez-y, mais tu reviens après dans ton jeûne. Mais ce n'est pas non plus toujours conseillé. Si tu veux vraiment être efficace dans ta prière, faut pas trop être non plus dedans. C'est juste une question d'équilibre, hein? Faut s'équilibrer. Voilà, donc c'est pas un péché. C'est pas un péché. Gloire à Dieu, nous allons prier le Seigneur. Nous avons compris le système de la justice de Dieu, on a compris. Mettez le chiffre 1, on a compris que Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste, donc quand je viens faire comparaître des gens au tribunal céleste, je dois être sûr que moi-même au préalable, je ne suis pas, on ne m'attrape pas sur quelque chose. Il n'y a pas quelque chose qui me condamne, il n'y a pas quelque chose qui me, il n'y a pas quelque chose qui me condamne, il n'y a pas quelque chose qui me, voilà, qui va me faire rejeter devant Dieu. Il faut être, donc il faut bien s'équilibrer. Quand tu demandes la justice devant Dieu, regarde d'abord dans ta vie. Va d'abord, règle d'abord, tu règles. Ah Seigneur, pardonne-moi, j'avais fait ça. Ah oui, à l'époque j'avais fait ça. Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ignore, tout ce que j'ai fait que j'ignore, pardonne-moi. Mais là Seigneur, je te prie, fais-moi justice. Alléluia, il te fera justice parce qu'il est bon. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Alors nous allons remercier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, merci Seigneur. Seigneur, merci pour cette deuxième session. Merci Père éternel de nous accueillir encore dans ta présence. Merci Seigneur. Pour la cour céleste qui est ouverte pour moi encore ce midi. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci. Merci. Commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Alléluia. Dis merci au Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Tendre Père, je viens encore te célébrer. Merci encore pour ce temps. Merci encore pour ce moment de prière. Merci encore, ô Dieu de gloire, pour cette deuxième session de la journée. Merci pour ta parole, cette exhortation qui nous a fait du bien, qui nous a réveillés, qui nous a donné la sagesse, qui nous a donné la prudence, afin que nous ne puissions pas tomber dans un jugement nous-mêmes. Seigneur, nous te disons merci. Merci de ce que tu es notre Dieu. Merci de ce que tu es notre roi. Merci car c'est toi qui nous fortifie. Merci car c'est toi qui nous garde. Merci car c'est toi qui nous donne, Seigneur, ô Dieu, la force. Béni soit ton nom. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te magnifions encore. Reçois la gloire parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour tes projets de paix et non de malheur que tu as préparé pour chacun de tes enfants. Merci Seigneur, ô Dieu, parce que tu as des bons projets. Merci parce que tu as une bonne destinée pour chaque personne ici connectée. Nous te bénissons, nous te louons dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, là où tu te trouves, tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur. Peut-être que entre la première session et maintenant, tu as péché. Peut-être que entre la première session et maintenant, tu as fait des choses qui ont attristé le Saint-Esprit. Nous voulons demander pardon au Seigneur. Nous voulons lui dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos péchés. Pardonne les pensées de nos cœurs. Pardonne les paroles de nos bouches. Oh, la Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle et juste pour nous purifier de notre iniquité. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon. Et si le Saint-Esprit te rappelle quelque chose, une injustice que tu avais fait à quelqu'un, même il y a longtemps, demande pardon pour cela. Demande pardon pour cela. Et le Seigneur va te pardonner parce qu'il est disposé à te pardonner. Il est disposé à te pardonner. Il est disposé à te faire du bien. Il est disposé. Alléluia. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur mon Dieu, alors que nous sommes encore dans ta présence, alors que nous venons dans la cour céleste, ô Dieu, nous venons te demander pardon, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Pardonne les pensées de nos cœurs. Pardonne les paroles de nos bouches. Pardonne toutes choses que nous avons faites, Seigneur, et qui ne t'a pas honoré. Là où on a fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Là où on a fait des choses qui ne t'ont pas honoré. Là où j'ai dit des paroles qui ne t'ont pas honoré, Seigneur. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne et accorde-moi ta grâce encore en ce midi, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne. Pardonne les péchés de ma maison. Pardonne les péchés de mes enfants. Pardonne mes péchés. Pardonne toutes choses, oh Dieu de gloire, que j'ai dit et qui ne t'a pas honoré. Alléluia. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Alléluia. Pardonne-moi. Et accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce. Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, ô Dieu. Pardonne les péchés de mon cœur, pardonne les paroles de ma bouche, pardonne les pensées de mon cœur, pardonne tout péché que j'ai commis et que j'ignore, pardonne tous mes péchés connus et inconnus, et accorde-moi ta grâce encore en ce midi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, tu vas encore prier le Seigneur et tu vas encore invoquer le sang de Jésus. La Bible déclare ceci, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Oh, nous allons invoquer le sang de Jésus. Nous allons appeler le sang de Jésus et que le sang de Jésus nous lave et que le sang de Jésus nous purifie et que le sang de Jésus nous nettoie encore et que le sang de Jésus puisse encore enlever ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Appelle le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te nettoie. Que le sang de Jésus te nettoie. En ce midi, sois lavé, sois nettoyé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus enlève le péché. Il dit dans sa parole, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, je les rendrai plus blancs que la neige. Alléluia. Que le sang de Jésus te purifie. Oui, ce midi, purifie-toi par le sang de Jésus. Oh Seigneur, que ton sang nous purifie encore, que ton sang me lave encore, que ton sang me nettoie encore, que ton sang nettoie encore ma maison, dans le nom de Jésus. Seigneur, j'invoque ton sang précieux, ton sang merveilleux, ton sang de victoire, ton sang de justice, ton sang qui enlève le péché, ton sang qui donne la sanctification, ton sang qui purifie. Seigneur, que ton sang puisse encore nettoyer, nettoyer ma vie, nettoyer mon âme, nettoyer mon esprit, purifier, Seigneur, ô Dieu de gloire, tout mon être entier, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus,
Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton sang puisse me purifier. Que ton sang puisse me purifier. Que ton sang puisse me laver. Que ton sang puisse me nettoyer. Que ton sang puisse me nettoyer. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, j'invoque ton sang précieux. Que ton sang, Seigneur, oh Dieu, enlève tout ce qui est souillure. Que ton sang enlève tout ce qui est impureté dans ma vie. Que ton sang enlève tout ce qui est, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui est souillure dans ma vie. Que cela soit ôté au nom de Jésus. Nous invoquons ton sang précieux, le sang de la victoire. Nous invoquons ton sang précieux, Seigneur, ton sang, le sang de la nouvelle alliance. Nous invoquons ton sang précieux, le sang qui parle pour nous. Le sang qui a enlevé, qui a ôté le péché, nos péchés. Le sang, Seigneur, ton sang précieux, que ton sang nous lave, que ton sang nous nettoie, que ton sang nous purifie encore, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier le Seigneur et tu vas demander au Saint-Esprit de prendre l'autorité, de prendre la place dans ta vie. Que le Saint-Esprit puisse encore remplir ta vie de sa présence. Que le Saint-Esprit puisse encore prendre toute l'autorité sur ta vie. Que le Saint-Esprit puisse régner sur toi. Que le Saint-Esprit puisse gouverner ta vie. Que le Saint-Esprit puisse conduire ta vie. Dis au Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô alors que je suis dans ta présence, je te prie, remplis-moi encore en ce jour. Remplis-moi totalement. Remplis-moi complètement. Remplis-moi profondément. Saint-Esprit, prends le contrôle total de ma vie. Saint-Esprit, prends le contrôle total de mon âme. Saint-Esprit, prends le contrôle total de mon esprit. Je désire, Saint-Esprit, oh, que tu prennes le contrôle total. Prends le contrôle total. Dis au Saint-Esprit de te remplir. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ah, quand le Saint-Esprit vient, il ramène le miracle. Quand le Saint-Esprit vient, il ramène la guérison. Il est l'esprit de miracle. Il est l'esprit de guérison. Il est l'esprit de restauration. Quand il vient, il emmène la restauration. Quand il vient, il guérit les cœurs qui étaient blessés, les âmes qui étaient blessées, le cœur qui était brisé. Il ramène la guérison. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'abandonne encore à toi. Je m'abandonne encore à toi. Saint-Esprit, conduis-moi. Prends le contrôle total de ma vie. Je refuse de me conduire moi-même. Je refuse de me conduire à ma manière. Je refuse de me conduire comme je veux. Je veux être conduit par toi. Dans le nom de Jésus, je veux être conduit par toi. Saint-Esprit de Dieu, gouverne totalement ma vie. Gouverne-moi, Saint-Esprit. Oh, sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, Saint-Esprit, je suis perdu. Je désire que tu me remplisses. Dis au Saint-Esprit de te remplisse totalement, abondamment, infiniment, que tu sois rempli de lui. Que le Saint-Esprit te gouverne. Oh oui, dis au Saint-Esprit, gouverne-moi. Saint-Esprit, prends le volant de ma vie. Saint-Esprit, prends prends toutes les commandes de la voiture de ma destinée. Saint-Esprit, prends toutes les commandes. Je refuse de conduire moi-même. Je refuse de mettre les vitesses moi-même. Je refuse d'enclencher l'accélérateur moi-même. Je refuse, Saint-Esprit, mais que toi, tu puisses prendre le contrôle. Mais que toi, tu puisses conduire. Oh, bien-aimé, si ta vie était un véhicule, dis au Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes les commandes de cette voiture. Dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit prenne le contrôle total. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle total de la boîte de vitesse, le contrôle total, bien-aimé, de l'embrayage, du frein, de l'accélérateur. Qu'il prenne le contrôle total du volant. Qu'il prenne le contrôle total des clignotants. Qu'il prenne, bien-aimé, les clignotants de la voiture représentent la direction. C'est le Saint-Esprit qui doit prendre la direction de ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit doit prendre la direction. C'est à lui d'enclencher la direction. C'est à lui de freiner. C'est à lui d'accélérer. C'est à lui d'embrayer. C'est à lui de débrayer. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle total de ce véhicule que tu es. Au nom puissant de Jésus. Très cher Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Prends le contrôle total de ce véhicule que je suis. Prends le contrôle total. Oh, si ma vie est un véhicule, prends le contrôle total de ma vie. Prends le contrôle total des commandes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare dans le psaume 43, au verset 1. David a dit, « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause. » Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause. Et dans le cadre du Rehoboth, nous avons vu comment Dieu a défendu la cause d'Isaac. À chaque fois qu'il creusait un puits et qu'on venait disputer ce puits et qu'on venait pour quereller ce puits, Dieu défendait toujours sa cause. Il se déplaçait. Bien-aimé, peut-être que tu passes une période difficile. Peut-être que tu es en train de subir des injustices. Peut-être que tu es en train de subir des oppressions, des dépressions, des compressions, des choses qui viennent du monde des ténèbres. Bien-aimé, dis à Dieu de te rendre justice. Dis à Dieu, rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause. Rends-moi justice, qu'il puisse te
se rendre justice. Alors que tu es dans la cour céleste, alors que tu es dans la cour céleste, alors que tu es dans la cour céleste ce midi, dis à ton Dieu de te rendre justice. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause en ce jour. Défends ma cause en ce jour. Défends-moi, Seigneur. Défends ma situation. Ce dossier qui est bloqué, que Dieu puisse défendre ta cause. Ce dossier qui est bloqué, que Dieu te rende justice. Bien-aimé, ton argent est bloqué juste par une signature, par la signature d'une personne. Par la signature d'une personne, ton travail est bloqué par la décision de quelqu'un qui ne veut pas décider. Oh, alléluia. Quelqu'un ne veut pas décider. Quelqu'un est en train de bloquer ton mariage. Tu dois te marier, mais ta belle-mère est en train de bloquer. Tu dois avancer, mais il y a un sorcier dans la famille qui ne veut pas que tu puisses avancer. Bien-aimé, dis à Dieu de te rendre justice. Rends-moi justice, oh Dieu. Défends ma cause. Défends ma cause. Défends ma cause, rends-moi justice, défends ma cause, Seigneur, contre une nation infidèle. David a dit contre une nation infidèle. Bien-aimé, tu dis contre mes oppresseurs, contre mes ennemis, contre mes adversaires. Rends-moi justice et défends ma cause contre mes adversaires, contre ceux qui ne veulent pas que je puisse évoluer, contre ceux qui se sont dressés en ennemis contre moi. Bien-aimé, il y a des gens qui se sont tournés contre toi aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont qui sont devenus tes ennemis alors que toi, tu les prends comme des amis. Tu es même surpris. Tu es même surpris. Il y a des gens qui se sont changés en ennemis contre toi alors que tu n'avais pas de problème contre eux. Tu n'as jamais eu de mauvaise pensée contre eux. Bien-aimé, que Dieu te rende justice. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui combattent ta santé, mais c'est des gens que tu as nourris. Il y a des gens qui combattent ta santé, mais c'est des gens à qui tu as fait du bien. Il y a des gens qui sont en train de comploter contre toi, que ce soit dans l'invisible ou dans le visible. Bien-aimé, emmène-les à la cour céleste. Emmène-les à la cour céleste. Notre Dieu est un Dieu de justice. Il ne t'oublie pas. Dis-lui de défendre ta cause. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier avec moi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Rends-moi justice, ô Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause. Défends ma cause. Seigneur, défends ma cause. Défends ma cause. Contre cette nation. Contre, Seigneur, les personnes infidèles. Contre mes adversaires. Contre les sorciers de ma famille. Défends ma cause, ô Dieu. Lève-toi, Seigneur. Défends ma cause contre les oppresseurs, contre mes oppresseurs connus et inconnus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, rends-moi justice, ô Dieu. Là où j'ai donné à manger, Seigneur, on commence à me combattre. Là où j'ai donné mon argent, on commence à m'insulter. Là où j'ai donné mon amour, on commence à me haïr. Là où j'ai fait du bien, on me rend le mal. Là où je n'ai rien pensé de mauvais, on pense le mal contre moi. Mon Dieu, lève-toi. Lève-toi, défends ma cause. Car je suis la postérité d'Abraham. Défends ma cause, car je suis ton enfant. Défends ma cause, car je suis la postérité d'Abraham. Dans le nom de Jésus, que quelqu'un puisse prier à Dieu. Bien-aimé, prie à Dieu. Prie à Dieu, prie à Dieu, dans le nom de Jésus, qu'il puisse te rendre justice, qu'il puisse te rendre justice, qu'il puisse défendre ta cause contre les sorciers de la famille, contre les sorciers du côté de ton père, contre les sorciers du côté de ta mère. Papa est déjà parti, maman est déjà partie, mais on vous combat, vous les enfants, sur les biens de votre propre père, sur les biens de votre propre mère, que Dieu puisse défendre votre cause, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que l'homme de bien laisse un héritage à ses enfants et à ses petits-enfants. Toi, ton père a laissé un héritage, ta mère a laissé un héritage, mais les gens se fâchent contre toi. Les gens te combattent maintenant dans le monde spirituel à cause de l'héritage de ton père, à cause de quelque chose qui te revient. Oh bien-aimé, que Dieu puisse défendre ta cause. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, la Bible déclare, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Toi, tu t'es marié dans cette famille, mais ta belle-mère commence à te défendre, à te combattre. Elle ne te combat pas seulement physiquement, mais elle te combat maintenant spirituellement. Dans le spirituel, elle a envoûté son fils pour que le fils ne puisse pas te regarder, pour que le mariage puisse se terminer. Oh, que Dieu puisse défendre ta cause. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, rends-moi justice, ô Dieu, car je suis la postérité d'Abraham. Rends-moi justice, ô Dieu, car je suis la postérité d'Abraham. Jésus-Christ, quand il a vu cette femme qui avait le dos courbé, il a dit qu'elle aussi, elle est la postérité d'Abraham. Ne devrait-elle pas recevoir la délivrance? Ne devrait-elle pas être guérie? Ne devrait-elle pas être restaurée? Parce que c'est la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham doit être restaurée. La postérité d'Abraham a le droit à la guérison. La postérité d'Abraham a le droit à la délivrance. La postérité d'Abraham. Oui, Jésus a dit,
Devrais-je laisser cette personne sous le joug de Satan alors qu'elle aussi c'est une fille d'Abraham? Alors qu'elle est une fille d'Abraham, devrais-je la laisser sous l'oppression de l'ennemi? J'aimerais te donner une bonne nouvelle. Toi, tu es la postérité d'Abraham. Tu es la fille d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. Dieu ne voudra pas que quelqu'un puisse t'oppresser. Dieu ne voudra pas qu'un esprit puisse t'écraser. Parce que tu es la postérité d'Abraham. Alors il te fait justice maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu t'es marié. Le mariage, les gens ont acclamé. Mais maintenant que tu fais des enfants, on commence à attaquer tes enfants. La belle famille commence à attaquer les enfants. La belle famille commence à mettre des handicaps, des infirmités dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, dis à Dieu de te rendre justice. Dis à Dieu, rends-moi justice, Seigneur. Rends-moi justice, oh Dieu. Défends ma cause. Défends ma cause. Défends ma cause. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es rentré dans un travail. Quand tu arrivais, tu disais bonjour à tous les collègues. Tout allait bien. Mais les collègues se sont retournés contre toi. Ils ne te combattent pas seulement physiquement, mais ils te combattent maintenant spirituellement. On ramène même des fétiches contre toi. On fait des maraboutages contre toi. Les gens commencent à te détester. Alors que tu es venu juste travailler et que tu n'avais de problème avec personne. On commence à te combattre même dans le monde spirituel. Que Dieu puisse défendre ta cause. Parce que tu es le fils et la fille d'Abraham. Que Dieu puisse te rendre justice au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, qu'il te rende justice en ce jour. Qu'il te rende justice. Qu'il parle pour toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où le diable se dresse contre toi. Là où l'ennemi s'est levé contre toi. Alors que tu es la fille d'Abraham. Alors que tu es le fils d'Abraham. Que le ciel te rende justice. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, là où tu as toujours été en bonne santé, tu as toujours été en bonne santé, tu n'as jamais eu des problèmes de santé, mais le diable s'est levé, la sorcellerie s'est levée, le monde des ténèbres ont décidé de t'envoyer une maladie diabolique et démoniaque pour que tu puisses devenir handicapé, pour que tu ne puisses rien faire, pour te garder dans la maison, pour te garder là dans la maison, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas te lever, tu ne peux rien faire. Bien aimé, que cette maladie démoniaque soit jugée maintenant, au nom de Jésus, que cette maladie des ténèbres qui t'a handicapé, qui t'a rendu infirme, qui t'a fait rentrer dans la maison, qui t'a enlevé toutes tes capacités, toutes tes forces que tu avais, que cela soit jugé aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Notre Dieu est un véritable juge. Il est le juste juge. Il est le juste juge. Là où il y a eu un divorce, mais ton mari te combat toujours, ton ex-mari te combat jusqu'aujourd'hui, ton ex-femme te combat jusqu'aujourd'hui et elle te combat maintenant spirituellement. Oh, que l'Éternel fasse justice. Au nom puissant de Jésus, qu'il se lève. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi et rends-moi justice. Au nom de Jésus, qu'il te fasse justice. Qu'il te fasse justice. Tu t'es marié. Les gens ont acclamé. Mais quand tu t'es marié, on attaque tes grossesses. Les grossesses sortent. À chaque fois que tu tombes enceinte, ça doit sortir. À chaque fois, il y a des fausses couches. Que ces fausses couches soient jugées maintenant au nom de Jésus. Que toutes les flèches des ténèbres qui ont été lancées contre toi, pour que tu ne puisses pas avoir des enfants, pour que tu fasses des fausses couches, soient jugées maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un en train de prier. Oh, qui te rende justice, qui te rende justice, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qui te rende justice, alléluia, qu'il te rende justice, qu'il puisse te faire justice, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare ceci, dans Malachie 4 au verset 2, Malachie 4 verset 2, il est écrit, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. » Oh, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et la guérison sera sous ses ailes. Le soleil de la justice emmène la guérison. Pas seulement la guérison du corps, mais la guérison de l'âme aussi, la guérison de l'esprit et la guérison de tous les domaines de ta vie. Que le soleil de la justice puisse guérir maintenant tous les domaines de ta vie. Tu vas dire avec moi, ô Seigneur Jésus, ô Seigneur Jésus, toi qui es le soleil de la justice, guéris tous les domaines de ma vie qui sont malades. Guéris tous les domaines de ma vie qui sont malades. Bien-aimé, là où tes finances sont malades, que le soleil de la justice puisse les guérir. Alléluia. Là où, bien-aimé, ta santé est malade, que le soleil de la justice puisse guérir. Là où il y a un problème dans, là où il y a un problème dans un domaine de ta vie, que le soleil de la justice puisse ramener la guérison. La Bible déclare, le soleil de la justice
et la guérison sera sous ses ailes. La guérison, waouh, sous ses ailes. Quand tu te, en fait, quand tu es à l'ombre de ce soleil, quand tu es sous le soleil de la justice, la guérison tombe sur toi. La guérison tombe sur toi. Commence à dire, Seigneur, toi qui es le soleil de la justice, guéris tous les domaines de ma vie qui sont malades. Au nom puissant de Jésus, commence à prier que le Seigneur puisse guérir tous les domaines de ta vie qui sont malades. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Père, toi qui es le soleil de la justice, commence à briller sur ma vie et guéris tous les domaines de ma vie qui ont besoin de guérison. Guéris, Seigneur, ma vie spirituelle, guéris ma vie physique, guéris, Seigneur, ma santé, guéris ma vie financière, guéris tous les domaines de ma vie qui ont été altérés, qui ont été touchés, qui sont malades, Seigneur. Guéris-moi, rien n'est impossible à toi, rien ne dépasse ta force, rien n'est compliqué pour toi. Seigneur, guéris tous les domaines de ma vie qui ont besoin de guérison. Jusqu'à quand, oh Dieu, les infidèles vont se moquer de moi? Jusqu'à quand, oh Dieu, les païens vont se moquer de ma vie? Jusqu'à quand, oh Dieu, ceux qui ne prient pas vont me pointer du doigt? Jusqu'à quand, oh Dieu, les païens vont avoir pitié de moi? Seigneur, lève-toi. Oh, lève-toi, lève-toi. Seigneur, toi qui es le soleil de la justice, toi qui es le soleil de la justice, commence à guérir tous les domaines de ma vie. Commence à guérir tous les domaines de ma vie qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de guérison. Seigneur, ramène ta guérison. Ramène ta guérison dans mon mariage. Ramène ta guérison dans ma santé, dans le nom de Jésus. Ramène, oh Dieu, ta guérison dans mes démarches administratives. Ramène ta guérison, Seigneur. Ramène la guérison, car tu es le soleil de la justice et la guérison est sous tes ailes. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La guérison est sous tes ailes. Couvre-moi de tes plumes, Seigneur, et que je sois guéri. Couvre-moi de tes plumes, Seigneur, et que je sois guéri. Car David dit, il te couvrira de ses plumes. Seigneur, que tes plumes puissent me couvrir. Que tes plumes puissent me couvrir. Et que la guérison vienne dans tous les domaines de ma vie. Que tous les domaines de ma vie qui ont reçu des flèches de ténèbres puissent maintenant recevoir la guérison. Au nom puissant de Jésus, soleil de la justice, lève-toi. Soleil de la justice, lève-toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire encore, appelle le soleil de la justice et dis encore, oh Seigneur, toi qui es le soleil de la justice, parle en ma faveur, parle en ma faveur. Que Jésus-Christ puisse parler en ta faveur, que le soleil de la justice puisse parler en ta faveur et qu'il puisse embellir ta vie. Seigneur, toi qui es le soleil de la justice, parle en ma faveur et embellis ma vie. Embellis tous les domaines de ma vie, Seigneur. Ramène le témoignage. Emmène-moi dans mon Rehoboth, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Dieu va t'emmener dans le Rehoboth. Dieu va t'emmener dans le Rehoboth. Tu vas arriver dans ton Rehoboth. Prie avec moi, dis à Dieu de parler en ta faveur. Oh Seigneur, toi qui es le soleil de la justice, parle en ma faveur, brille en ma faveur. Seigneur, brille en ma faveur, parle en ma faveur. Dis un mot et ma vie va être changée. Dis un mot et ma vie va être transformée. Dis un mot et ma vie va être totalement délivrée. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot pour que ma vie puisse changer. Dis un mot, car tu es le juste juge. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot. Seigneur, oh Dieu, statue sur mon cas. Dis un mot, Seigneur. Oh, que tu puisses, Seigneur, oh Dieu, donner un décret en ma faveur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dis un mot, que la cour céleste puisse dire un mot, en ma faveur, dis un mot Seigneur, personne ne peut révoquer ce que toi tu dis, ta parole est irrévocable, tes décisions sont irrévocables, dis un mot, parle en ma faveur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, parle en ma faveur, oh Dieu, parle en ma faveur, oh Dieu, parle en ma faveur, oh Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Parle en ma faveur, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas dire avec moi, oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi et que le tribunal des cieux traite mon cas aujourd'hui. Que le tribunal des cieux traite ton cas aujourd'hui. Alléluia. Et la foi, bien-aimé. Que le tribunal des cieux traite ton cas aujourd'hui. Oh Dieu, lève-toi et que le tribunal des cieux traite mon cas aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Commence à dire à Dieu que le tribunal des cieux puisse traiter ton cas, que le tribunal céleste traite ton cas, que le tribunal des cieux puisse traiter ton cas.
Lève-toi, oh Dieu, et que le tribunal des cieux traite mon cas aujourd'hui. Seigneur, en ce qui concerne les oppressions dans ma vie, que le tribunal des cieux traite mon cas aujourd'hui. En ce qui concerne le chômage chronique, que le tribunal des cieux traite mon cas aujourd'hui. En ce qui concerne, fais comparaître le chômage chronique. Fais comparaître, bien-aimé, les injustices que tu subis. Fais comparaître cela devant la cour céleste. Que le tribunal des cieux traite mon cas aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, que le tribunal des cieux traite mon cas. Oh Dieu, lève-toi et que le tribunal des cieux traite le cas de ma fille, traite le cas de mon fils, traite le cas de mes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Que le tribunal des cieux, Seigneur, traite le cas de ma vie. Ça fait 20 ans, ça fait 20 ans que je suis combattu dans le même domaine. Seigneur, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, dans cette session de l'ordre du jugement, que le tribunal des cieux puisse traiter mon cas, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie que le tribunal des cieux traite ton cas, que le tribunal des cieux traite ton cas, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, lève-toi et que le tribunal des cieux traite mon cas, au nom de Jésus. Que le tribunal des cieux traite mon cas aujourd'hui. Que le tribunal des cieux traite mon cas aujourd'hui. Que le tribunal des cieux statue sur mon cas aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où les ténèbres avaient parlé contre moi. Là où la sorcellerie est en train de combattre ma vie. Là où les oppressions sont en train d'oppresser mon corps. De la tête à la plante des pieds. De mes pieds, je suis oppressé. Seigneur, qu'aujourd'hui, lève-toi. Aujourd'hui, Seigneur, lève-toi et que le tribunal des cieux traite mon cas aujourd'hui au nom de Jésus. Par la voix du sang de Jésus, que le tribunal des cieux traite mon cas aujourd'hui, que le tribunal des cieux statue sur mon cas aujourd'hui, que le tribunal des cieux ordonne un décret pour moi aujourd'hui, en ma faveur, au nom puissant de Jésus. Commence à prier, que le tribunal des cieux traite ton cas aujourd'hui, que le Père puisse se lever. Oh Dieu, lève-toi. Oh toi qui es le soleil de la justice, Seigneur, lève-toi. Saint-Esprit, lève-toi. Et que le tribunal des cieux statue sur mon cas aujourd'hui, que le tribunal des cieux statue sur mon cas aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un en train d'appeler le tribunal des cieux, quelqu'un en train d'appeler le tribunal des cieux, traite sur mon cas aujourd'hui, mon cas, le cas de mon travail, le cas du poste que je dois avoir, que j'attends depuis longtemps, traite sur mon cas aujourd'hui, traite mon cas aujourd'hui, traite mon cas aujourd'hui, que le tribunal des cieux décide sur mon cas aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh, que le tribunal des cieux traite sur mes finances aujourd'hui, au nom de Jésus, que je ne perde plus l'argent, au nom puissant de Jésus, que le tribunal des cieux traite maintenant, traite mon cas aujourd'hui, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, pas demain, Seigneur, aujourd'hui, pas demain, alors que je suis dans la cour céleste, aujourd'hui, pas demain, que la signature soit donnée, que le décret soit lancé, au nom puissant de Jésus, que mon cas soit traité, au nom de Jésus, aujourd'hui, aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, que le tribunal des cieux traite sur mon cas aujourd'hui. Oh, jusqu'à quand, Seigneur, que la maladie soit maintenant anéantie, que la maladie soit ordonnée, sommée de quitter mon corps, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Traite sur mon cas aujourd'hui. Que le tribunal des cieux traite mon cas aujourd'hui. Traite ma situation aujourd'hui. Que le tribunal des cieux décide sur mon cas aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Non pas la décision des hommes, mais la décision de Dieu. Non pas la décision des hommes, mais la décision du tribunal des cieux. Au nom de Jésus. Que le tribunal des cieux traite mon cas. Et que je rentre dans mon réobot. Et que je rentre dans mon réobot. Et que je rentre dans mon exaucement. Et que je rentre maintenant dans mon exaucement au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Que le tribunal des cieux traite mon cas aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Que le tribunal des cieux traite mon cas aujourd'hui. Dieu est en train de traiter les cas des dossiers de voyage. Les dossiers des voyages. Tu dois faire venir ton enfant qui est en Afrique. Dieu traite le cas aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dieu traite le cas aujourd'hui. Le voyage de ton enfant est ouvert. Reçois cela. C'est une parole prophétique. Au nom puissant de Jésus. Le voyage de ton enfant est ouvert. Le voyage de ton enfant est ouvert. Dieu traite les cas de voyage. Le cas de voyage. Le voyage de ton enfant est ouvert au nom de Jésus. Le voyage de ton enfant est ouvert. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu est en train de traiter. Tu as même la pensée de faire venir ton enfant. Tu n'as même pas commencé les démarches. Le Seigneur te dit, tu peux commencer les démarches. L'enfant va venir. L'enfant va voyager. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et aussi, les cas de ceux qui ont des problèmes pour concevoir, c'est traité maintenant. On est en train de traiter ça maintenant. Tu as des problèmes pour concevoir. À partir d'aujourd'hui, tu vas concevoir. Tu vas avoir la grossesse va rester. La grossesse va rester. N'hésite pas, va faire le bébé. La grossesse va rester. Tu ne vas pas perdre cet enfant. C'est moi qui ai parlé. Au nom de Jésus, je reçois ça du Seigneur. La grossesse va rester.
Là, si tu perds beaucoup, tu fais des fausses couches, cette fois-ci, c'est terminé. Le cas est traité, au nom de Jésus. Le cas est traité, le cas est traité, le cas est traité. Le voyage est ouvert, le voyage est ouvert. Là où le voyage était bloqué, c'était le monde des ténèbres qui bloquait le voyage. Le voyage est ouvert maintenant. Les liens qui retenaient le voyage sont maintenant brisés. Les liens qui retenaient votre voyage, qui retenaient le voyage de votre enfant, est maintenant brisé. Ces liens sont maintenant brisés au nom de Jésus. Ces liens sont maintenant brisés au nom de Jésus. Ces liens sont maintenant brisés dans le nom de Jésus. J'ai vu quelqu'un qui a dit, mon mari est bloqué. Je déclare que son voyage est débloqué maintenant. Son voyage reprend les démarches au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ce voyage est débloqué maintenant. Ce voyage est débloqué maintenant. Ce voyage est débloqué dans le nom puissant de Jésus. Il y a des personnes ici qui ne prendront plus de traitements. On te met des perfusions. Tu prends beaucoup de perfusions. Comme à l'hôpital, comme ça, on te donne souvent des perfusions. Tu vas et tu sors, tu vas et tu sors. Tu es souvent dans les traitements. Je vois comme des perfusions. C'est en train, les anges sont en train d'enlever ça. C'est statué. Tu es guéri au nom de Jésus. On ne t'emmènera plus à l'hôpital pour te mettre des perfusions. C'est terminé ça. C'est terminé. Le tribunal a statué ta guérison. Je te vois être debout. Je te vois marcher. Je te vois reprendre tes activités. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Et aussi, je vois aussi des passeports. Les passeports qui étaient enfermés comme dans un sachet. Ces passeports sont libérés maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Les passeports sont libérés. Le tribunal de grande instance céleste a statué. Ces passeports sont libérés maintenant. Ton passeport reçoit la faveur maintenant. Au nom puissant de Jésus. 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 La libération des passeports. La libération des passeports. La libération des papiers administratifs. Il y a comme un papier qui bloque. Ce papier bloque depuis. Tu reçois ce papier maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Les perfusions sont en train de tomber. Les perfusions sont en train d'être arrachées. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Seigneur parce que devant ta cour, il n'y a pas d'injustice. Devant la cour céleste, il n'y a que la justice. Et la justice de Dieu parle en votre faveur dans le nom de Jésus. La justice de Dieu parle en votre faveur au nom de Jésus. Les perfusions sont arrachées. Ils sont en train d'être enlevés. Les perfusions sont en train d'être débranchées, enlevées. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Reçois cette parole prophétique au nom de Jésus. Reçois cette parole. Reçois-la pour toi au nom de Jésus. Reçois-la pour toi au nom de Jésus. Et ceux qui vont se présenter au tribunal, ce n'est pas vous qui allez parler, mais l'ange de l'Éternel sera envoyé devant vous. Pour parler, c'est même pas votre avocat qui va parler. L'ange de l'Éternel est envoyé devant vous pour parler à la place de votre avocat. L'ange de l'Éternel mettra les paroles dans la bouche de votre avocat. Vous avez la victoire dans le nom de Jésus. Toi qui étais découragé à cause des problèmes de la justice, tu as la victoire maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le juge ne parlera pas avec ton avocat, mais le juge parlera avec l'ange de l'Éternel. Le juge ne parlera pas avec, je dis bien, pas avec ton avocat, mais le juge parlera avec l'ange de l'Éternel dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ceux qui avaient un problème de divorce, le divorce est bloqué. Le divorce est bloqué. Le divorce est maintenant débloqué au nom de Jésus. Oui, il y a des personnes, ils sont devenus esclaves d'un divorce qui ne finit pas. Cela est débloqué maintenant au nom de Jésus. Dieu n'aime pas le divorce, mais quand c'est déjà parti et que l'autre conjoint commence à utiliser ça contre vous, oh, Dieu vous délivre parce que vous êtes son enfant, parce que vous êtes la postérité d'Abraham. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci au Dieu. Merci pour ton exaucement. Merci parce que tu es fidèle. Bien-aimé, dis merci au Seigneur parce qu'il est fidèle. Dis merci au Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que tu as parlé pour moi. Merci parce que tu as statué pour moi. Merci parce que oh Dieu, tu as parlé. Merci, merci Seigneur. Alors bien-aimé, alors que tu es en train de dire merci, aime la vidéo en même temps. Non pas parce que ça, pour que ça fasse beau, mais comme un cachet qui dit Seigneur, je reçois cela, je signe, je reçois cela, je signe. Je reçois ma délivrance, je reçois, Seigneur, cette parole prophétique est sortie, je reçois cela. Je laisse une signature. Bien-aimé, quand tu vas à la banque et que tu prends de l'argent, on te dit, madame, signez. Même si c'est ton argent, tu signes quand même. Tu dois laisser un signe qui dit que tu as pris ton argent. Tu dois laisser un signe qui dit que tu as pris ton argent. Seigneur, je reçois, je prends cela au nom puissant de Jésus. En même temps, tu dis merci au Seigneur. En même temps, tu dis merci au Seigneur. Notre Dieu est aussi le Dieu des actes prophétiques. Notre Dieu est aussi le Dieu des actes prophétiques. Et on utilise tout ce que nous avons en notre possession, on l'utilise pour faire des actes prophétiques.
tout ce qu'on peut avoir en notre possession. On peut utiliser de l'eau, on peut utiliser même Internet, on peut utiliser les likes, on peut utiliser tout pour faire des actes prophétiques. Et notre acte prophétique, c'est laisser cette signature pour dire, Seigneur, je reçois cela au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Merci Jésus. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a exaucé, parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors je vais prier pour la fin. Seigneur mon Dieu, je te bénis encore. Merci Père pour ta main puissante qui s'est manifestée encore en ce jour. Merci pour cette merveilleuse session que nous avons passée dans ta présence. Merci pour les délivrances, merci pour les libérations, merci pour la parole prophétique. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans la vie de tes enfants et merci pour les témoignages qui sont déjà là. Oh, comment ne pas te dire merci. Béni soit ton nom, oh Dieu. Je te prie encore de bénir ton peuple et de nous garder fidèles à toi afin que nous puissions être là tout à l'heure à 18h pour le culte. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange. Seigneur, je te confie, je te remets le culte de 18h entre tes mains et que tu sois encore, Seigneur, au contrôle de toutes choses par le Saint-Esprit et que tu puisses encore nous faire un grand bien au travers de ce culte. Ô Dieu, bénis tes enfants, accorde-leur ce que leur cœur désire, fais-leur du bien, Seigneur, et visite-les d'une manière extraordinaire, là où ils ne s'attendent pas qu'ils puissent voir ta gloire, là où ils ne s'attendent pas qu'ils puissent voir ta main, là où même ils ne t'ont rien demandé, qu'ils puissent voir ta main dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Garde-nous fidèles à toi. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous accorde encore sa grâce et sa paix et que l'Éternel puisse encore élargir le chemin de votre bénédiction, qu'il élargisse le chemin de votre destinée, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous visite et que votre vie soit réellement dans un Rehoboth. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons trois fois Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse Diane, merci pour ton offrande et la personne qui a donné aussi l'offrande tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse et se souvienne de vous. Voilà, Dieu est fidèle et sa fidélité va parler pour vous. Voilà. Que Dieu bénisse aussi Thérèse, je pense, Thérèse, sois bénie aussi. Que le Seigneur te bénisse. Et que Dieu bénisse tous ceux qui aiment la vidéo, tous ceux qui laissent une signature. Ce n'est pas pour faire joli, non. C'est aussi un acte spirituel. On utilise tout ce qu'on a en notre possession pour faire des actes prophétiques. Soyez bénis. Et je vous souhaite une excellente journée. Voilà, maman Kadi, sois bénie pour ton offrande. Que Dieu te bénisse aussi. Voilà, vous pouvez donner des offrandes. Vous savez, quand une parole prophétique sort, il faut toujours, toujours la sceller avec une offrande. Je vous ai toujours dit ça. Quand une parole prophétique sort, il faut toujours sceller cette parole avec l'offrande. À chaque fois que Dieu parlait, quand Dieu a parlé à Isaac dans le sens, Isaac a dressé un autel. Quand Dieu a parlé à Abraham, à chaque fois que Dieu parlait à Abraham, Abraham dressait un autel. Quand Dieu parlait à Jacob, Jacob dressait un autel. Et ça doit être votre culture, la culture des offrandes, la culture des autels. Ne regardez pas votre compte en banque. Vous regardez au Dieu qui est capable de vous donner au-delà de ce que vous, au-delà de ce que vous pensez. Il est capable de vous donner largement au-delà de ce que vous pensez. Il est capable de vous donner ce que vous n'avez même pas demandé. Il ne manque pas de quoi donner. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous visite. La parole est sortie et cette parole est déjà en action dans vos vies. La parole est sortie et cette parole est déjà en action dans vos vies. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Alors, je vous mets l'adresse de l'église ici. Si vous n'êtes pas encore venu, venez les vendredis. Si vous avez la possibilité, s'il vous plaît, venez le vendredi parce que c'est la prière où on est en présentiel. C'est le seul moment où nous sommes en présentiel. Donc, venez sur 1 rue Fernand Reynaud, la zone industrielle de la Porte Paris, 91100 Corbeil-Essonnes. À la gare, il y a des navettes qui viennent vous chercher. Donc, soyez là, il y a une navette qui viendra vous chercher. Ne vous inquiétez pas. Vous venez à l'église tranquillement et vous recevez la bénédiction et ensuite vous rentrez à la maison. Alléluia. Soyez là le vendredi, soyez là aussi les dimanches en présentiel, si vous en avez la possibilité. Sauf ceux qui sont à l'étranger, je comprends, vous ne pouvez pas venir. Mais ceux qui sont à l'étranger, le 10 c'est pour vous, donc vous pouvez venir. Mais là maintenant, tous qui êtes en Île-de-France, vous qui êtes en province, vous pouvez venir. Vous pouvez venir. Nous sommes dans un grand programme, il ne faut pas négliger ça. Nous sommes dans un très grand programme. Il faut vraiment saisir toutes les opportunités nécessaires de ce programme. Sucez, recevez toutes les opportunités nécessaires de ce programme. Prenez ça, ne laissez rien vous échapper. Ne ratez rien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment et infiniment. Voilà. Et l'adresse, en ce qui concerne la salle, donc je dis encore, le 10 décembre, voilà, ceux qui veulent noter, le 10 décembre, nous serons donc
à Noisy-le-Sec, voilà. J'ai mis 15 heures, je n'ai pas mis 14 heures, pourquoi? J'ai changé pourquoi, parce que 14 heures c'est un peu tôt, mais vous pouvez arriver déjà vers 14 heures, on s'installe, 15 heures on démarre. Amen, 15 heures on démarre, voilà. Donc c'est à l'Oasis de Noisy, salle, ciel, la zone d'activité de la Madeleine, 93 130 Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec. Notez bien l'adresse, Noisy-le-Sec. Toute la famille TPS, on doit être là. Et je vous ai dit qu'à la fin, on va prendre le temps de vous recevoir. S'il faut même 30 secondes, mais on doit vous voir. Le pasteur et moi, on va vous recevoir. On va vous recevoir rapidement, parler un peu avec vous, échanger avec vous. Voilà. Et pourquoi pas mettre aussi un visage sur le nom, sur le pseudo. Ça nous fera plaisir. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça ne sera pas le système. Tu es venu, tu es rentré chez toi, on ne t'a pas calculé. Non, non, non. Si tu viens, on prendra le temps de te recevoir. Voilà. Sauf les gens de l'église que nous connaissons déjà. Non. Eux, là, non. Mais vous qui êtes de la famille TPS internationale d'Internet, on aura le temps de vous recevoir, même pour 30 secondes. Comme ça, tu diras, ah, ça, moi, c'est Lorraine. Ah, moi, c'est Akissi. Moi, c'est... On pourra vous recevoir et si vous avez des préoccupations, vous pourrez nous le dire directement. Et on pourra vous orienter, si possible, prophétiquement ou bien... Voilà, mais on aura le temps. Même en 30 secondes, j'ai demandé à Dieu qu'il nous donne la force nécessaire, que je ne sois pas épuisé, qu'on puisse vraiment vous recevoir. Ça, je tiens à ça. Et ma prière, elle est comme ça. Seigneur, accorde-nous la force qu'on puisse recevoir, qu'on ne soit pas épuisé à la fin. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et donc, à tout à l'heure, 18h, soyez bénis, bon courage. Bon courage, bon courage. Et voilà. Donc, continuez à prier pour le Rehoboth, demandez le Rehoboth, l'élargissement. Ne soyez pas compliqués dans les sujets de prière. Demandez l'élargissement, le Rehoboth. Sinon, regardez les petits sujets que je vous avais envoyés. Vous prenez même un sujet ou deux et vous les faites. Et vous allez voir que le Seigneur va agir dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Stéphanie, je t'attends le 10. Prépare-toi déjà, emmène les enfants. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Oui, Godop, sauf les gens de l'église quand même. Toi, je te vois tous les jours. Hein? Toi, je te vois tous les jours. Toi, si tu vas faire la queue. Hein, Darrel, tu vas faire la queue que je... Franchement, faut laisser la place aux nouveaux, hein, ce qui est normal. Vous êtes les enfants de la maison, vous allez bien arranger pour eux. Amen, c'est clair. Faut pas dire, maman ne m'a pas reçu. Non, je t'ai dit que toi, je te vois dimanche à l'église, tout le temps. Donc, là-bas, ça sera les nouveaux. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao, ciao. Chante, alléluia.
Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec beaucoup de joie et d'empressement que je souhaite laisser ce message qui trouvera, je l'espère, un écho dans votre cœur. Bien que l'impact et les missions de la tour de prière Summer ne soient plus approuvés, mais qu'au contraire, ils soient appréciés de tous. Nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort, ouvrir une maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples sans distinction. Une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions. Une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique. Une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée. En ces quelques points, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous. Pour l'heure, notre engagement trouve ses limites dans le financement. Je me permets donc de solliciter votre bienveillance, votre considération et votre soutien financier et matériel. Je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet. Aimer, c'est aussi donner. Que le Dieu de toute grâce vous comble de sa richesse et de sa gloire dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Summer pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.